par M. Ben, avec son excellence M. Colonel Mamadou Doumbouya. Vraiment, ici au marché de Bovi, on a eu l'opportunité de faire la fermeture de ce marché. Parce qu'on a eu d'ailleurs des Sianga. Presque tous les marchands sont à l'intérieur pour le moment. Donc à partir de 20h, tout le monde, il y a une équipe qui a été formée par M. l'administrateur qui sort à partir de 20h pour faire sortir tout le monde à l'intérieur du marché. C'est notre décision d'ailleurs. C'est une décision qui a été prise, ça fait presque 5 ans avant l'arrivée même de cette décision de M. le président de la République. D'accord, et vous donc vous êtes habitué déjà à le faire? Dites-nous. Nous sommes habitués d'ailleurs parce que nous sommes dans le marché là où il y a la clôture d'ailleurs. Plus de 80% sont à l'intérieur du marché. Quoi. Donc à partir de 20h, avant quoi, il y a certains qui passaient la nuit ici, quoi, il y avait des boîtes de nuit ici. Mais alors là, quoi, on a intérêt du tout. À partir de 20h, on ferme toutes les boutiques. Y compris les tailleurs, les cordonniers qui passent la nuit ici, quoi. Tout le monde sort à l'extérieur pour aller ici. D'accord. Donc vous êtes déjà habitué à cela. Oui. Alors dites-nous, actuellement, est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que dans cette fermeture, est-ce que vous rencontrez des problèmes par rapport avec des gens qui ont l'habitude, par exemple, de passer la nuit ici, ou des gens, en tout cas, qui viennent ici la nuit? Bon, on peut y rencontrer des difficultés. Ça n'en finit pas parce que vous connaissez ici à Conakry, il y a certains qui n'ont même pas de logement. Voilà. Il y a certains qui passent la nuit ici à l'intérieur du marché. Bon, avec des bars ici, quoi, n'importe comment, ils font n'importe comment ici. Quoi. Mais depuis la décision qui a été prise par monsieur le président de la République, vraiment, on a eu à s'en sortir de ça. Parce que tous les jours, à partir de 20h, tout le monde est habitué maintenant. À partir de 19h, on a un gardien qui sort informer tout le monde. Celui qui ne sort pas, on ferme. Si on ferme, il y a des gens qui peuvent rester ici jusqu'à 21h. Après, on ouvre et ils vont se jeter. Parce qu'on a tellement d'activités. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas de logement. Ils passent la nuit ici, quoi, sur les hangars. Ils faisaient tout. Et en dehors de ça, quels sont les problèmes que vous rencontrez ici, des problèmes de sécurité, puisque les marchés sont souvent exposés au vol, ou des bandits parfois viennent là-bas dans les marchés. Est-ce que vous avez d'autres problèmes de sécurité ici? Bon, pour le moment, quoi, notre administrateur, M. Traoré Nabi Moussa, il a fait une bonne initiative. Si vous venez ici à partir de 20h, quoi, vous pourrez peut-être à 14h passer, il a envoyé des lampadaires. Partout où vous passez la nuit ici, quoi, vous allez voir la lampadaire allumée partout. Quoi. Donc on remercie M. l'administrateur pour ça. Avant, quoi, le marché était sombre, mais alors là, partout qui passe, les bandits ne peuvent même pas rester là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière partout. Il y a la lampe partout. Ça allume partout. Donc les bandits n'aiment pas la lumière, comme vous le savez. Vous êtes habitué à fermer votre marché. Oui. Et quel est l'appel que vous lancez aux autres administrateurs qui ne sont pas habitués à cela? L'appel que je lance aux autres administrateurs de la ville de Conakry en Grenant, comme vous le savez, le marché n'est pas fait pour faire n'importe comment. Parce qu'avant, il y a des marchés où on faisait tout. Même chez nous ici, avant quoi, il y avait des bars, il y avait des boîtes ici quoi, qu'on reçoit des filles la nuit quoi. Et on te paye 10 000 francs, il y a des filles qui viennent faire n'importe quoi, prostituer quoi. Donc vraiment, on remercie monsieur le président de la République, on remercie tout son gouvernement pour cette initiative, parce que c'est une bonne initiative. Ça nous permet de vraiment de valoriser notre culture, parce que le marché, c'est pas fait pour faire, c'est fait pour faire la vente des choses, mais pour faire n'importe comment, pas du tout normal. Il faut voir les autres pays, quoi. Mais chez nous, quoi, on ferme, même quand tu viens à 0h, tu vas voir le marché ouvert. Ça a ouvert à tout le monde. Tout le monde rentre. Parce que ici, chez nous, d'ailleurs, quoi, on ne rencontre pas les cas de vol, parce que s'il y a la lumière, quoi, je crois bien qu'il n'y aura pas de vol. Au niveau de l'hygiène, puisque ça aussi c'est la sécurité alimentaire, oui. Est-ce que vous avez pris des décisions ici par rapport à l'hygiène des aliments qui sont exposés ici? Bon, l'hygiène, en un mot, moi je suis d'ailleurs, je suis le représentant de la société Poubelle de Conakry ici. D'accord. On est là à peu près 15 ans maintenant. D'accord.
on évolue ici dans ce marché. Vous pouvez constater le marché. Je peux dire parmi tous les marchés de la ville de Conakry, le marché de Gonfié est le meilleur concernant l'hygiène. Parce que tous les jours, nous, on a le moins d'heures, on a le moins, on a le camion qui vient à tout moment ramasser des ordures. Il y a le contrôle aussi, quoi. Ceux qui vendent des pâtes d'arachide de l'autre là, quoi. On a le contrôle sur ça. Si on voit que vraiment ta patine n'est pas, l'environnement n'est pas propre, là, on peut avoir une sanction sévère. De bouger de la tâche, quoi. Donc toutes les décisions sont prises d'ailleurs quoi, par nous, monsieur le ministre et ses conseils. Quoi.